tous, bonjour à toutes, bonjour Étienne. Bonjour Martin. On est ravis de t'accueillir de nouveau au chalet d'un monde de jeux. Mais oui, on ne s'en lasse pas. Tu viens présenter la société Didacto. Vous la connaissez peut-être parce qu'on a déjà réalisé des vidéos sur notre chaîne. Vous êtes déjà venu pour nous présenter votre spécificité, c'est-à-dire que vous mettez en avant des jeux de société, vous les sélectionnez, vous les proposez au public, des jeux de société particuliers. Oui, nous c'est essentiellement pour les professionnels. On travaille surtout avec les écoles, les centres de loisirs, tous les professionnels de l'enfance qui ont besoin de jeux dans leur activité. Et c'est aussi par exemple les orthophonistes ou les psychomotriciens par exemple. Mais on s'adresse aussi au grand public à travers notre site, donc didacto.com, sur lequel on a plus de 2700 jeux aujourd'hui. Donc c'est quand même une très très large sélection. Alors, vous pouvez retrouver le site, alors c'est pas le seul moyen de se procurer les jeux, mais vous avez un site sur lequel on va retrouver toutes les références, on va retrouver votre expertise aussi, parce qu'à chaque fois, sur les différentes fiches, c'est un petit peu différent d'un site de vente en ligne. On a également des références, on a également parfois les règles qui sont présentées, ça c'est une de vos particularités. Tout à fait, des règles à télécharger gratuitement depuis notre site, oui, tout à fait. Et vous avez un regard qui est très pointu sur les jeux, et on s'est dit que ça valait le coup de faire une petite sélection. Mais alors, pas n'importe laquelle, une sélection qui s'oriente sur un domaine particulier, sur des jeux qui vont être utilisés dans un cadre mathématique. On entend souvent dire qu'on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de développeurs, et puis qu'à la fois, on s'écroule dans tous les classements internationaux. Donc pour nous, oui. c'est quelque chose qui nous touche, hein, parce que les mathématiques, c'est vraiment au cœur de notre activité. On propose plus de 500 jeux et outils pédagogiques. Autour des mathématiques. Donc c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Et les mathématiques sont clairement mises en avant depuis la maternelle jusqu'au collège. Il y a énormément de jeux et d'outils qui permettent de travailler et de progresser de façon un petit peu différente. Donc c'est ça qu'on a eu envie de mettre en avant pour les parents, pour les professionnels, pour les enseignants. Donc il y a des jeux de société, vraiment, on peut jouer avec. Il y a aussi un peu des jeux qui sont outils pour amener les enfants à mieux maîtriser les mathématiques, oui, comme tout tu à fait, le dis. Tout à fait. Maîtriser les mathématiques et aussi comprendre leur environnement, parce que les mathématiques, c'est vraiment une clé pour comprendre et s'ouvrir un peu au monde de façon un peu progressive. Je m'explique, par exemple, quand on demande à un enfant de dessiner un cercle, donc il va dessiner un cercle, et puis après, un peu plus tard, on va lui demander de nommer, de reconnaître un cercle. Et ensuite, il va être capable de le reproduire. Oui. Puis de mesurer. Puis de mesurer avec différents outils, objets. Puis ensuite, d'utiliser les caractéristiques qu'il aura mesurées dans différentes résolutions de problèmes. Voilà. Donc tout ça se passe de façon un peu, j'allais dire, en quelque sorte, par cercle concentrique. C'est-à-dire que progressivement, les mathématiques, ça se construit un peu étage par étage, quoi. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche d'autant mieux que... Enfin, ça permet à l'enfant d'être dans une démarche dynamique, active. Parce que, en général, l'enfant en difficulté, en particulier en mathématiques, a tendance à être dans une position un peu statique, ah un oui. peu passive. Oui. Où il reçoit sans forcément comprendre l'application de ce qu'on lui propose. Or là, au fur et à mesure, et avec le jeu, on est au cœur de la mise en œuvre, il a les mains dans le cambouis et il se fait lui-même son idée de ce que ça peut apporter. Donc là, vraiment, le jeu, de par ce que ça implique comme action chez l'enfant, on n'est pas dans une transmission de savoir verticale, au contraire, on est dans le dialogue, la discussion, l'apprentissage progressif, et ça, c'est vraiment formidable. Donc on a choisi de présenter aujourd'hui une vingtaine de jeux et d'activités mathématiques, et puis aussi un point sur lequel je voudrais insister, sur le site, on a aussi à télécharger, parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans 500 jeux, hein, oui. Donc des guides par compétences, les compétences sont issues des programmes scolaires. Et donc, quoi choisir, pour quel âge, pour travailler quelles compétences, ce sont les tableaux Excel à télécharger, qui sont vraiment très bien faits et que je vous encourage à les découvrir. Voilà, puisque ce sont des jeux qui vont s'adresser peut-être aux professionnels, mais ça peut s'adresser à tout le monde. Si des personnes qui nous regardent, je sais qu'il y en a, ont parfois un domaine dans lequel ils ont envie d'aider leurs enfants, tout simplement, parce qu'ils voient qu'il y a un blocage. Vous allez découvrir dans cette vidéo une vingtaine de jeux que vous allez nous présenter. Alors, pas que toi, on va recevoir Aline, qui s'y connaît très bien, et Laurence, qui travaille également chez Didacto, qui a fondé Didacto. Donc elle va venir également nous présenter une série de ces jeux-là. Vous allez avoir à chaque fois le descriptif, l'usage que l'on peut faire de ces différents jeux. C'est vraiment une vidéo qui peut être utile à beaucoup de monde. C'est souvent par la manipulation que les enfants vont tester leurs propositions mathématiques, vont essayer de répondre aux questions qui leur sont posées. Et tu nous as amené un outil qui est un classique des classes, un classique dès la maternelle. Il s'agit de quoi alors ? Alors, en effet,
On voulait vraiment commencer par là parce que ça, vraiment, ça permet d'illustrer tout notre propos. Ce sont des réglettes, des petites réglettes en bois. La plus petite, c'est un cube de 1 cm d'arête. Voilà. Et puis on a son petit copain qui fait 2 cm d'arête, 3 cm, etc. Donc à chaque fois 1 x 1 x 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10. Okay, et donc ça permet en mathématiques une richesse incroyable de travail depuis la petite section, c'est pour les tout petits, jusqu'au collège. C'est quand même incroyable. Au départ, je veux dire, c'est très simple. On laisse les enfants s'amuser et faire leurs petites constructions, leurs petits trains, leurs jeux libres. Ils s'amusent avec ça. Et ça, je peux vous dire, déjà, ils peuvent y passer des heures. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils comparent. Ils comparent. Ils s'aperçoivent naturellement que, en effet, voilà, on peut faire des grandeurs, faire des séries, par exemple. On peut faire des petites échelles comme ça pour s'apercevoir que, hop, voilà. Donc là, on est déjà complètement dans les maths. Puisqu'on est sur une notion plus petit, du plus petit au plus, plus grand. Par exemple, on peut demander aux enfants de compléter. Je fais ça, je mets celui-là comme ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre au bout pour que, hop, on arrive au même nombre. Donc on s'aperçoit qu'en effet, on complète avec une petite truc blanche. Voilà. À ce moment-là, on n'est pas forcément on nomme pas forcément 5 plus 1 égale 6. Mais dans l'esprit de l'enfant, ça, c'est induit. Si on est là-dessus, par exemple, donc 5 plus 1 égale 6, mais on voit aussi que 4 plus 2 égale 6. Donc ça, en soi, c'est déjà intéressant. On est sur l'addition. C'est une grande compétence. C'est un grand truc. Donc on est sur l'addition, on est aussi sur la soustraction. Si j'enlève 2, qu'est-ce qui me reste ? Comment ça se passe ? Voilà. Si on va chouïa plus loin encore, par exemple, si je fais ça, 6 égale 2 fois 3, donc on est dans l'addition, on est aussi potentiellement, on vient de le voir, dans la multiplication, d'autant qu'on peut avoir aussi bien le 9, là, qui est celui-là, quick, voilà. Donc on pourrait avoir 3 fois 3, par exemple. Mais on voit aussi, par exemple, que avec celui-là, on est sur la moitié. Donc on est sur la fraction, par exemple. Sur les fractions, on est au cycle 3. Donc on est parti d'un jeu libre qui permet à l'enfant juste de manipuler et de comprendre un peu les grandeurs, et on aboutit aux fractions qui vont jusqu'au collège. C'est vraiment un outil mathématique hyper puissant, dont on voit que l'enfant peut se jeter dedans et qu'il y a plein de niveaux possibles de manipulation et d'apprentissage. Donc là, nous, on adore, et c'est une porte d'entrée vraiment forte pour tout ce qu'on va voir ensuite. Moi, je l'ai énormément vu utiliser, notamment vu utiliser par les maîtres, eux, qui prennent les enfants en difficulté, qui ont besoin d'une manipulation vraiment particulière pour comprendre quelque chose qui, par exemple, tu l'as dit, peut être les fractions, qui est quelque chose qui n'est pas forcément compris du premier coup et qui nécessite qu'on teste, qu'on essaye, qu'on puisse le voir et le toucher. Tout l'intérêt de ces réglettes, c'est qu'elles ne sont pas numériques, elles ne vont pas être graduées comme pourrait l'être une règle. Et ça, c'est intéressant dans la manipulation que ça permet. Oui, en effet, au début, en maternelle, on travaille avec les couleurs. Et les couleurs dans les réglettes sont toujours les mêmes pour que l'enfant puisse s'y retrouver. Donc, par exemple, au départ, on va dire jaune plus blanc égale vert foncé. Et c'est juste à partir du CP qu'on va vraiment introduire la notion numérique. Tu nous as amené Veggie Farm, c'est un jeu dans lequel on va jouer petit agriculteur pour planter et récolter des légumes. Tout l'intérêt du jeu, c'est qu'il va permettre aux enfants de catégoriser et de trier des choses. Et cette compétence, c'est une compétence qui est fondamentale à l'école. Elle va même beaucoup plus loin que ce qu'on imagine, puisque après, on va demander aux enfants d'avoir ce genre de catégorisation dans des domaines tels que la grammaire ou les langues vivantes. Alors, c'est super mignon. C'est très joli. Donc, comme le disait Étienne précédemment, la première étape, on laisse les enfants tranquilles, on les laisse jouer, on les laisse Découvrir, manipuler. Voilà. Parce que c'est trop dur d'écouter des consignes et puis d'avoir du joli matériel comme ça. Donc, il faut vraiment qu'ils jouent tout leur soul. Et puis, quand cette phase-là est terminée, on peut commencer à leur demander des choses. Alors, il peut y avoir du tri par couleur. Il peut y avoir du tri par variété de légumes. Il peut y avoir aussi, après, des petits comptes, voire des petits calculs. Alors, les enfants peuvent trier soit dans les paniers, là, ou ils peuvent également planter. On a ici des petits outils avec, voilà, donc par exemple, on peut leur mettre des petites fiches comme ça. Et là, sur cette ligne-là, il faudra mettre des légumes jaunes. Alors, c'est un tri par couleur, cette fois. C'est un tri par couleur. On peut avoir aussi un tri par légumes. Ici, il faudra mettre du maïs. Voilà. Okay. Et puis, alors, pour les un petit peu plus grand, on peut leur dire, voilà, là, on veut un légume, et puis là, deux,
et puis 3, et puis voilà. Après, on peut imaginer, ben voilà, sur cette colonne-là, tu as cueilli un légume, sur cette colonne-là, tu en as cueilli 2, et ben combien ça nous fait de légumes ? Mm-hmm. Oui, c'est vraiment des ressources pour pouvoir faire plein de découvertes sur les nombres, et les enfants, ils vont avoir plaisir à le faire eux-mêmes, c'est-à-dire, ils vont essayer de remplir eux-mêmes et de trouver... Ils vont aussi, se donner l'exercice oui, eux-mêmes. Bien sûr. Et c'est ça qui va leur plaire le plus, d'ailleurs. Alors, pour continuer à illustrer le propos de VeggieFarm, oui. Voilà, un outil tout simple. C'est un puzzle, mais un grand puzzle. Oui, voilà. Avec des grandes pièces. Et donc, c'est une araignée qui tisse sa toile, et l'air de rien, eh bien, on a aussi de l'association, de la catégorisation et du comptage. Les pièces, ce qui est chouette, c'est qu'elles peuvent aller dans des endroits différents. Ah bah oui, hein? Parce qu'elles sont un peu identiques. Ici, on voit qu'on a un certain type de pièces sur le deuxième tour. Et puis, il y a des pièces qui sont plus grandes qui sont à l'extérieur. C'est ça. Et on peut les remettre de différentes manières. Et l'idée, à un moment donné, ça va être d'aligner les 1, d'aligner les 2, ah oui. les 3 et les 4. Ah, j'avais pas fait attention. Effectivement, on a plusieurs. On a une numérotation qui est induite. Et là, on a tous les éléments avec un seul élément. C'est ça. Et donc ça va permettre aux enfants de réfléchir. Ils peuvent faire n'importe quoi au début. Oui. Ils peuvent juste s'amuser. Et après, ils vont pouvoir introduire les nombres. Voilà, c'est ça. Vous nous avez amené Numérique, c'est ça, un jeu de GECO. Un jeu de GECO qui est vraiment dans l'air du temps de ce qu'on peut trouver, nous, en tant qu'enseignante, quand on fait des recherches sur Internet, pour nous aider à préparer notre séance de maths. Ça, c'est vraiment très typique de ce qu'on fait au Canada ou aux États-Unis et qu'on va pouvoir trouver, mais des fois, télécharger et imprimer, mais qui nous demande un temps et un investissement incroyable à la maison en termes de découpage et de plastification. Mais c'est des choses qu'on trouve vraiment très régulièrement. Alors, elles sont très intéressantes parce qu'elles vont permettre, avec des petites pinces à linge, de faire des choix sur des disques en sélectionnant la bonne réponse. On est sur un jeu pour compter, non pas pour faire des opérations, mais pour dénombrer, à partir de 4 ans. Donc on est en moyenne section de maternelle pour les petits, et on est sur, en effet, les différentes représentations de la quantité. Donc la quantité, elle est indiquée par un chiffre, et puis par, en effet, une constellation, le schème, les doigts, et le nombre de petits objets que cela représente. Donc on a une trentaine de cartes comme ça dans la boîte. Hein. À chaque fois, on a donc un petit camembert, une petite part de camembert en couleur. C'est à partir de là qu'il va falloir se repérer. Donc je mets une pince à linge sur ma part en couleur. Et quelles sont les deux autres petites parts de camembert, ou grandes parts de camembert, qui représentent le même nombre que celui qui est indiqué sur le camembert coloré. Donc là, par exemple, 6, on a celui-là, clac, la petite constellation. Donc je mets également une petite pince à linge, et puis on a le schème comme ça, clac. Et pour vérifier si j'ai bon, ce qui est formidable, c'est que c'est évidemment autocorrectif, clac, les deux petits smileys, donc j'ai bon. Ça marche super bien en classe, les enfants adorent, et comme ça, ils s'habituent, ils se familiarisent avec les différentes façons de montrer les nombres et de les représenter. Alors je le disais tout à l'heure, c'est vraiment très efficace ça pour une maîtresse parce que c'est du matériel pédagogique qui est déjà tout prêt et en plus c'est autocorrectif, ça veut dire que ça peut être utilisé dans un atelier autonome qui est fait en classe pendant que la maîtresse est occupée ailleurs, mais c'est une occupation pédagogique qui est intéressante, c'est pas juste de l'occupationnel. Donc toujours dans le même cadre, pour compter, on a un jeu d'un éditeur hollandais qui s'appelle Toys for Life et qui s'appelle Cherche et Compte. C'est un jeu que vous ne trouverez pas partout, je peux vous le dire. Il s'agit donc de compter sur, on a 6 plaques comme ça, recto verso, qui représentent des scènes de la vie quotidienne. Et donc on vous demande de compter différents éléments qui sont présents sur cette image. Donc il va y avoir de la discrimination et du dénombrement. Et c'est vraiment un matériel qui tape dans l'œil d'une maîtresse, ça. Hein. Oui. C'est du bois, c'est durable, il y a un abac, les enfants peuvent avoir l'habitude, dans les classes on l'utilise beaucoup, peuvent avoir l'habitude de faire comme ça. Et c'est motivant parce que c'est plein de couleurs. Par exemple là, Aline a commencé à compter les tentes. Donc on peut par exemple commencer à mettre simplement une petite bille rouge sur les différentes tentes représentées sur l'image. Voilà, tac. Là, j'ai déjà fait une partie du travail. Je les mets en effet sur la bac. Hein, tac, tac, tac. Voilà. Hop, hop, et hop. Et ensuite, ce qui est formidable, c'est que c'est également autocorrectif. Je retourne et je vois qu'il y en a 5. Il y a le chiffre 5. Et la représentation en constellation, avec en effet 5 petits points qui correspondent aux 5 tentes vues sur l'image. On a de la même façon, on compte les enfants, on compte les lapins, on compte tout ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir dénombrer une fois que c'est posé, ou alors en le mettant
et compter au fur et à mesure. Et ça, c'est deux choses très différentes pour les enfants. Il y a des enfants pour qui c'est plus facile de le faire en dénombrant, et des enfants qui le feront à la fin. Et c'est comme ça que l'enfant va jouer. Il va poser la scène devant lui, la petite réglette côté nombre ou côté dessin, et il va pouvoir jouer de cette façon. On enchaîne avec Petit Market. C'est un jeu qui est publié par Jeco, qui joue à partir de 5 ans, je vois indiqué sur la boîte. Et là, on commence à faire des petits calculs. Et notamment autour de la monnaie. Bah oui, c'est un petit marché. Voilà. Donc il s'agit d'aller faire ses courses. Donc on a chacun une plaque. Voilà. Chacun son tour, on va jeter le dé et on va avancer sur le circuit. Si je m'arrête par exemple sur les légumes, eh bien les légumes chez moi, ça coûte 5. Donc si j'estime que je suis assez riche, hop, je paye 5 et voilà, j'ai gagné mes petits légumes. L'objectif, c'est d'être le premier à avoir rempli sa liste de courses. Mais oui, attention, si à un moment, tu n'as plus de sous, tu as trop dépensé, oui, tu es éliminé. Ah, éliminé, carrément. Et oui, donc il faut gérer. Calculer, oui. Il faut gérer. Quand on passe là, on recharge 5 euros. Si on arrive sur une case détente, oui, activité, eh bien, parfois, c'est payant. Voilà, un petit tour au restaurant, je dois payer 2. Et j'ai pas le choix, donc il faut toujours garder un peu de monnaie. Là, c'est détente et c'est gratuit. Cool. Si je n'achète rien parce que ben voilà, soit je l'ai déjà ou soit j'estime que ça va me mettre sans ressources, je tire une carte. Voilà. Alors, on a la possibilité de tirer une carte à chaque fois. On a des bonnes surprises, parfois, mais pas toujours. Parfois. Alors, ça peut être à nouveau une activité payante, pas de chance. Ça peut être un ticket cadeau. Et là, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc là, tu le gardes. Et puis, quand tu auras une dépense à faire, par exemple, pour acheter des fleurs, ben, je pourrais sortir mon ticket cadeau. Ça peut être, waouh, 5, je gagne 5 euros. Et là, je peux aller dans la boutique de mon choix. Donc là, on est vraiment en face d'un jeu de société avec le côté surprise qui absolument peut se présenter par le lancer de dés, par les cartes. Et c'est le type de jeu qu'on va pouvoir sortir dans un second temps. On a joué à la marchande, on a avancé, on a récupéré des choses juste pour s'amuser en manipulant le matériel. Et ensuite, l'aspect jeu de société va pouvoir travailler sur ce dénombrement et l'échange d'argent contre des objets qu'on va placer pour remplir notre fameuse petite liste de courses. C'est ça. Et il faut gérer son budget comme dans la vraie vie. Pio, le pigeon voyageur, c'est un jeu qui est publié par ABBA et dans lequel on va jouer un facteur. Et oui, un facteur, parce qu'on est parti en voyage très loin et on envoie des cartes postales à nos amis. D'accord. Voilà. Mais encore faut-il avoir les timbres qui vont bien, oui, pour affranchir les cartes postales. Ah bah oui, parce que c'est pas forcément les mêmes timbres en fonction des cartes postales. Voilà. Donc le premier niveau, on joue sur le côté carte postale et on a mis ici des timbres avec des valeurs entre 1 et 6. Et on a chacun 3 timbres. Alors, je commence. Si j'arrive à faire exactement 3, ni plus ni moins, c'est le cas. 1 plus 2 égale 3. Voilà, hop, donc je les mets dans la boîte. Un coup de tampon. C'est bon, c'est validé. Et voilà, c'est bon. Et je reprends 2 timbres. À toi, Martin. Ah, non, 5 et 3, ça fait 8, je peux pas. Oh, mais si, 3 et 3, ça fait 6, tout va bien. Je peux valider et oblitérer ma lettre. Voilà. C'est ça. L'autre niveau, quand on est un petit peu plus grand, oui, eh bien, on va jouer avec les enveloppes. Et là, on va mettre les timbres qui ont des valeurs plus importantes. Oui, là, on rentre dans des calculs plus élevés. Jusqu'à 10. La même règle du jeu, sauf qu'il faut aller plus loin. C'est chouette, non? Très bien, oui, oui. Et puis, le thème est immédiatement ludique. Mais là, on est chez ABBA, donc c'est aussi un éditeur qui fait du jeu, qui commence très jeune, oui, et puis qui s'élève aussi, parce qu'il y a même une gamme famille maintenant chez ABBA. Absolument. Mais celui-ci, c'est à partir de 5 ans. Vous nous avez amené Robomatic, c'est un jeu placote à partir de 6 ans qui a un univers très fort. On voit qu'on est dans une fabrique de robots, une fabrique de robots dans laquelle on va pouvoir fabriquer son petit robot en répondant à des questions mathématiques. Exactement, c'est encore un jeu de calcul mental pour un peu plus grand, donc à partir de 6 ans. Les enfants adorent cet univers un petit peu donc, de fabrique de robots. Ça permet alors de que tous les enfants n'adorent pas le calcul mental. C'est ça, exactement, ça permet de rendre le calcul mental un petit peu moins sec. Un petit peu moins abrupt, comme ça, voilà, un peu plus ludique, exactement. Donc c'est tout simple, hein. Hop, on lance le dé, je tombe sur le 1, hop, voilà, j'avance mon petit personnage, et au fur et à mesure que j'avance, eh bien, je vais devoir répondre à une petite équation. Mm-hmm. Donc là, Aline, je choisis en fonction de ton niveau, on a 3 niveaux différents, je cache les réponses, d'accord, je choisis l'équation B. Oui, 4 plus 4, ça fait 8. Ça fait 8.
Bravo, je vérifie en dessous les réponses. B, c'est le 8. Donc, tu restes à ta place, puisque tu as gagné le droit de rester à ta place. Et au fur et à mesure, donc, on va avancer comme ça. Et quand on tombe sur un emplacement fabrique de robots, eh bien là, c'est un petit peu plus compliqué, puisque c'est un peu comme une petite équation. 8 plus quoi fait 16 ? Encore 8. Ah, bah écoutez, 8. Voilà. 8 plus 8 fait 16. Bravo, tu as gagné la première patte de ton robot. Donc, hop, on suit le chemin et au fur et à mesure, on bâtit son robot. Et c'est tout simple, il n'y a pas vraiment de gagnant. Lorsque tout le monde a construit son robot, je trouve sa conclusion. Donc, c'est vraiment juste une façon de faire des additions. Il y a des petites égalités qui ne sont pas si simples que ça. Hein. Quelque chose plus 3 égale 10 plus 1. C'est vraiment, exactement. Il y a des challenges, il va falloir réfléchir. Exactement, exactement. 6 ans, 7 ans, 8 ans. Une bonne approche du calcul mental pour ces âges-là, pour le cycle 2. J'aime beaucoup la punchline de ce jeu, le cap est bon, les maths, l'eau. C'est vraiment très marrant, ça va plaire aux enfants. Alors, c'est un jeu qui a reçu l'Educaflip 2018. L'Educaflip, qu'est-ce que c'est ? L'Educaflip, c'est un prix qui représente, qui récompense tous les ans les jeux éducatifs les plus riches et les plus pertinents. Mmh. Donc c'est vraiment un prix qui a une importance, qui est gage de qualité dans le secteur éducatif. Et en effet, ce jeu est original, réalisé par un enseignant qu'on aime beaucoup, Olivier Pépin. À partir de 8 ans, un jeu de calcul mental, toujours, dans un cadre de régate, dans un cadre de navigation. Donc comment ça se passe ? On a chacun son petit bateau. On a les bouées de départ, les bouées autour desquelles les bateaux vont devoir naviguer, et puis 4 dés, qui vont nous permettre de calculer des caps. Je lance mes 4 dés, et donc j'ai le cap, par exemple, il faut se rapprocher au maximum, disons que si je veux partir dans cette direction-là, hein, pour faire le tour des bouées, disons des caps entre 33 et 38. Donc qu'est-ce que je peux avoir avec ça ? J'ai un 2, un 1, un 1 et un 10. Et bien donc par exemple, on peut se dire que je fais 2 plus 1 plus 1, ça fait 4, fois 10, 40, hop, j'ai mon cap 40. Mm-hmm. Est-ce que je réussis à faire quelque chose avec ça ? Donc le premier qui réussit à dire, voilà, c'est bon, j'ai fini mon calcul. Mm-hmm. On n'est pas obligé de chercher tous les deux le même nombre. Exactement, chacun D'accord. choisit le cap qu'il souhaite. Donc on peut aller au plus rapide, on peut se dire 40, c'est le plus rapide, je vais aller plus vite que mon petit copain, mais ça dépend du niveau des enfants. Si les enfants ne sont pas tout à fait du même niveau, on peut aussi laisser chacun calculer tranquillement. Je veux dire, faut adapter le jeu, au niveau des enfants. Celui qui a calculé en premier gagne la grande réglette, et puis le deuxième, la réglette moyenne, et puis des réglettes un peu plus petites. Donc celui-là va avancer le plus rapidement. Les caps, au fur et à mesure de la régate, vont évoluer. À chaque fois, je vais chercher un cap un petit peu différent, jusqu'à faire le tour et retourner au point de départ. Donc, un jeu vraiment très sympa, très facile à mettre en place, qui fait calculer, un peu comme le compte est bon, sur l'eau. Et avec un matériel qui fait un peu le lien entre l'école et la maison, puisque là, on est vraiment sur l'objet ludique qu'on peut ramener à la maison pour calculer avec les parents et les frères et sœurs. Alors, nous abordons maintenant un thème qui peut être parfois douloureux. Ah bon ? Moi, j'adore ça, les calculs. Ah ! J'ai toujours adoré ça, donc pour moi, ce n'est pas du tout douloureux. Et c'est un matériel très original qui permet justement de calculer. Tout à fait, donc ce sont les wrap-ups. On les a pour les additions, les multiplications, les divisions, les fractions. Et l'idée, c'est d'apprendre tranquillement ses tables, dans son coin, dans un coin de la classe, à la maison. Voilà, on n'est pas en compétition, on n'est pas en échec, on fait son petit truc. Alors, le principe, par exemple, les tables sont indiquées là. Je démarre toujours du point haut. Voilà, 6. 6 fois 2. 12. Après, je passe au 5. 5 fois 2. C'est hop, tu vois, je vois le résultat. 10. Ah oui. Voilà. Ensuite, c'est le 9. 9 fois 2. 18. Où est le 18 ? Il est là. Hop. Donc on fait courir le fil de l'origine du calcul jusqu'à son résultat. Jusqu'au résultat. Voilà. L'origine est à gauche et le résultat est à droite. Et quand on a terminé... On ne va peut-être pas tout faire, mais on va retourner. On retourne. Et à ce moment-là, on s'aperçoit si ça correspond. Voilà. Et oui, parce qu'on a les fils qui sont indiqués, le remplacement en tout cas. Et là, on voit que pour l'instant, tu n'as pas fait d'erreur. Yes, l'attaque de deux. On ne sait pas si tu aurais été jusqu'au bout, mais pour l'instant, ça va. Alors, on continue sur les tables, mais cette fois avec de l'interaction. Donc, ce sont deux enseignants qui ont créé ce jeu. Ça s'appelle les tables à doigts. Donc, il y a différents sujets. Là, on a apporté les multiplications. Est-ce qu'on ne va pas utiliser nos doigts ? Eh oui, malin, j'arrive à deviner comment aussi. Tu es perspicace. On a une fiche par table, et d'un côté on a les opérations, et de l'autre côté les résultats. D'accord.
Donc, par exemple, Martin, je te dis, attention, attention, 2 fois 4, et tu mets le doigt dans le résultat. Alors, le trou est en dessous du résultat, donc ça doit être celui-ci. Voilà, et moi, je vois que ton doigt apparaît dans le 2 fois 4. Mon doigt maintenant, est bon. Tu peux me donner un résultat, et ah, moi, bah, je vais devoir trouver la bonne opération. Eh bien, je te propose... Mais tu peux enlever ton doigt, hein. Non, jamais. Je propose le 0. Ah, 0. Fou, trop dur. Hop. Bravo, voilà. C'est ça. Bah, c'est tout bête. Oui. C'est génial. Ah bah pour réviser, c'est parfait, oui. Hein, oui, puis il y a tout de suite ce côté ludique. Alors, c'est pas vraiment du jeu de société dans lequel il va y avoir un vainqueur, un perdant. C'est pas ça le but. Mais il y a un côté ludique pour réviser cette table. Voilà, et c'est immédiat. Les enfants, ils captent tout de suite et ils y vont. Donc, je remonte pour qu'on comprenne bien. Le 2 x 4, il est indiqué de ce côté-ci. Si je mets mon doigt, je le mets de l'autre côté pour pouvoir retourner ma main. Je mets mon doigt ici. Et de l'autre côté, on voit que c'est bien le résultat 8. On retrouve une petite boîte métal, ce sont les fameux petits jeux d'Aritma qui sont déclinés dans plein de domaines différents, très utiles notamment en classe, et cette fois-ci on va présenter Fracto Dingo. Donc les fractions, on sait que c'est parfois quand même un domaine qui pose problème à beaucoup d'élèves. Particulièrement Fracto Dingo, c'est un grand classique pour travailler les fractions à partir de 8 ans. C'est vraiment une petite malle au trésor, quoi. Il y a plein de façons de jouer, trois niveaux en quelque sorte, trois niveaux d'écriture de fractions. On a la fraction réduite, on peut pas aller plus bas. On a la fraction représentée. Oui, sur un élément dessin. Graphique avec un dessin. On a la fraction écrite en nombre décimal. On a la fraction écrite en français, en toutes lettres, en quelque sorte. On a une addition de fractions et on a une fraction qui peut être réduite. Ah oui, donc ça va déjà loin. Donc on a six façons d'écrire une fraction. À partir de là, déjà, faire prendre conscience de ça à l'enfant. Voilà, hein, déjà, là, on aura bien avancé. L'idée, c'est d'apparier des différentes façons d'écrire une fraction. Donc on a chacun un petit tas, on retourne chacun la première carte du tas, et dès que quelqu'un reconnaît deux fractions similaires, eh bien hop, il les prend, et il a gagné, il a fait une paire. Avec ça, on peut aussi travailler avec la règle du rami, par exemple, ou la règle du mistigri, où chacun se repasse une carte, et dès qu'on a une paire dans son jeu, hop, on le met de côté jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le mistigri. Oui, parce que là, on a du matériel, on a des cartes, et avec ces cartes, on peut jouer à plusieurs jeux différents. Exactement. C'est du matériel très adaptable, en classe ou à la maison. Moi, je l'ai fait avec ma fille, par exemple, et ça a très, très bien marché pour comprendre la notion de fraction et les différentes façons de représenter des fractions. Et elle veut devenir comptable depuis, c'est ça? J'espère que non, mais tout est possible. Coder et décoder un déplacement, se repérer et se déplacer dans un quadrillage sont des compétences de la maternelle, des compétences qui ne sont pas du tout évidentes. On n'est pas tous bien latéralisés, on ne se repère pas tous correctement dans l'espace, petit ou grand d'ailleurs. Et c'est tout l'intérêt de commencer dès les premiers âges à faire ce genre de jeu, les jeux qui ressemblent à Programino, qui est un jeu GECO. Voilà, à partir de 4 ans. Donc c'est tout simple. On a deux types de fiches et deux façons d'approcher le codage. Donc ici, la consigne, l'ours doit se rendre dans sa grotte. Donc j'ai à ma disposition toutes les petites flèches et je vais, voilà, trouver une manière. Ah, il tourne là, n'est-ce pas? Donc là, on est vraiment dans l'exercice un petit peu empirique. On va tester pour trouver le bon déplacement, la bonne solution. Tout à fait. Donc on peut reposer, échanger. Pour le moment, il n'y a pas de contrainte de temps. Non, pas du tout. Voilà. Et voilà. Bon, on dirait que ça fait un chemin. Et on prend la petite fiche pour valider son exercice. D'accord. Donc ça, c'est la première manière de faire. La deuxième manière, on a une contrainte. Donc on prend une fiche. Voilà. Et là, on a le déplacement du lapin. Mais on ne sait pas où il arrive. Voilà, où va le lapin. Donc on respecte là, voilà, tac tac. Donc là on décode, hein, puisqu'on doit lire le code et l'appliquer. Absolument. Hop, hop, j'en ai 3. Et là je tourne, voilà, donc là il ne m'en reste plus qu'une, qui va me permettre de savoir. Eh bien le lapin allait au miel. Eh bien je ne savais pas que les lapins aimaient le miel. En tout cas celui-là, il est original, il va aller à la carotte. Sur ces fiches, on peut imaginer aussi que les enfants vont prendre les petites flèches et faire leur programme. Hein,
Voilà, donc faire toute une série de codes comme ça et valider après en les positionnant sur le quadrillage que ça marche. C'est une suite un petit peu plus compliquée. Oui, c'est plus compliqué parce qu'il faut se représenter le déplacement. De la même façon, il y a un exercice qui serait vraiment intéressant à faire à partir de ce matériel. C'est une fois que le déplacement est fait, le raconter. Donc dire, on va d'abord avancer d'une case, puis on va tourner à droite, tourner à gauche. Et là, on mobilise le vocabulaire du déplacement, de la localisation, qui n'est pas si évident. Tout à fait. On reste dans le codage et décodage de parcours. On y ajoute même des coordonnées avec des abscisses et des ordonnées. Eh bien, on va pouvoir vraiment se déplacer dans l'espace cette fois avec Robot Coding. Absolument, qui est un jeu de l'éditeur espagnol Acros. On peut faire plein de choses avec ce matériel, n'est-ce pas ? Et là, il y a deux grands types de jeux qui sont proposés. Le premier va être plus simple. On va travailler en fait sur notre quadrillage et sur les abscisses et les ordonnées. Donc, on va déjà poser tout le matériel. Voilà. Donc là, on va dire que j'ai B1. Donc, je vais poser mon robot en B. On est déjà, dès le début, dans une compétence. Absolument. Pouvoir lire des coordonnées, c'est déjà compliqué. Ouais. Donc, on va poser comme ceci notre robot. On va poser l'arrivée. Mm-hmm. Voilà. Et ensuite, toujours avec les roues, on va faire avancer petit à petit son robot pour arriver. Voilà, et imaginons mon arrivée est là. Donc, au fur et à mesure, je vais me déplacer sur le plateau jusqu'à arriver au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment pour travailler les abscisses, les ordonnées et le repérage sur le plateau. Ensuite, on va faire autrement. Et là, il va y avoir des petites bandes de Wi-Fi. Et en fait, derrière les bandes de Wi-Fi, on a de l'énergie pour nos robots. Donc, on va pouvoir, au fur et à mesure qu'on passe dessus, les gagner. Sans révéler, et on verra après. Là, il n'est pas gagné en jeu. Oui. Ça, c'est aussi une autre façon de faire. Et la dernière, on a un point de départ et un point d'arrivée. Pareil, qu'on a tiré aux roulettes. Donc voilà, mon point de départ, mon point d'arrivée. Et là, on va, alors soit chacun pour son robot, ou soit tous ensemble pour un seul robot, on va utiliser le matériel, les flèches, et on va préparer ici son petit chemin. On va le faire à distance, sans le poser directement. Voilà, c'est ça. Ah. Alors moi, je le fais. Ok, moi, je vais utiliser ça, mais... Hop, voilà. Et après, on peut... Ah, j'aurais dû utiliser ça. Ça veut dire que le robot se tourne, si je comprends bien. Ouais. Voilà. C'est compliqué, ça. Il va falloir retourner le robot dans le bon sens. Oui. Et on valide, du coup. C'est mal parti. Je suis mal partie. Allez, vas-y. Bah oui. Je vous l'ai dit, que j'étais pas très douée. Mais si, c'est que tu passes dans l'autre sens. Ah. Alors, si je fais ça et que je me retourne ici. Ouais. Donc ensuite... Génial. Ah. J'ai eu un peu peur. Hein. J'ai pas tellement confiance en moi. Tu sais quoi C'est parce que moi, j'étais partie par là. Je me suis dit, pourquoi elle tourne dans ce sens-là On pourrait aussi se donner des instructions mutuelles, n'est-ce pas ? Va tout droit, tourne à droite. Ah oui, parce qu'alors là, on entre dans un autre exercice. Si on dit que le déplacement à quelqu'un d'autre, on a tous les deux un effort à faire. Moi, pour anticiper le déplacement que tu dois faire, et toi, pour le décoder et l'appliquer. On continue avec un jeu qui nous permet de travailler sur la perspective. C'est un jeu de repérage spatial. Dans l'espace, on est entre les mathématiques et le langage aussi, parce qu'on a des notions devant, derrière, à côté d'eux, etc. Et c'est un très chouette matériel. On voit des éléments en bois. On est sur l'univers de la ferme que les enfants connaissent particulièrement bien, évidemment. Et les différents éléments sont représentés sur des petites tuiles en bois qui seront agréables à manipuler et à disposer sur cet élément. Tout à fait. On a trois niveaux, du plus facile au plus difficile, pour disposer les différents éléments de la ferme sur différents plans. On a quand même jusqu'à 5 plans différents, donc pas toujours facile à agencer. Tu es sur le plan numéro 1. Ah oui, moi je fais plus facile. Je suis pas capable de faire plus difficile que ça. Bah, déjà, voilà, en effet, le tracteur est devant l'arbre qui est lui-même devant la vache. Donc c'est à partir de 3 ans, hein. Donc on est, on est sur des enfants qui sont en petite, moyenne, grande section, CP éventuellement, pour les aider à comprendre cette notion, en effet, de plus loin, plus proche. Et on voit qu'on peut voir à travers aussi, donc on a des éléments qui sont plus complexes, comme celui-ci, puisque sur la deuxième image, on voit que le personnage est caché, et on le voit par la petite fenêtre. Donc on a ce type d'éléments à faire aussi, et selon l'endroit où on le met,
en profondeur, on ne va pas le voir exactement de la même façon. S'il est très proche, on ne le verra pas complètement, mais s'il est beaucoup plus loin, peut-être qu'on le verra mieux. Donc peut-être que ça peut rentrer en compte aussi dans l'analyse. Et ça permet d'embrayer également sur l'analyse de l'image, puisqu'on peut le travailler en art plastique. Quand on regarde des images, on peut parler du premier plan, du second plan, et réaliser des travaux dessus. On peut même pousser jusqu'au cycle 3. Alors c'est pas un jeu qui s'adresse directement aux enfants du cycle 3, c'est marqué à partir de 3 ans jusqu'à 7 ans sur la boîte. Un très chouette jeu en bois pour l'école ou pour la maison. On enchaîne avec l'éditeur québécois Placotte qui propose toute une série de jeux qui sont très intéressants du point de vue pédagogique. Il s'agit cette fois-ci de Stationne tes voitures. Oui, c'est encore un jeu de repérage spatial. Ouais. Donc pour s'y repérer sur l'espace d'une ville avec des consignes qu'il va falloir appliquer. Et les consignes sont très importantes parce qu'on voit sur la boîte que c'est indiqué langage. Donc il y a un aspect mathématique évidemment, mais dans les mathématiques, il y a du langage. Exactement, on va aborder des notions de... plus près, plus proche, à côté d'eux, loin d'eux, etc. C'est un jeu à jouer à partir de 3 ans. Donc on est là aussi, de la petite section jusqu'au cycle 2, avec une quarantaine de défis à appliquer, tout simplement. Donc c'est tout simple, on a un grand plan de la ville et des voitures, et là on vous dit, stationne la voiture bleue à côté du camion rouge et blanc. Qui est ici. Qui est ici. Allez, Martin, stationne la voiture bleue à côté du camion rouge et blanc. Et la voiture rouge à côté de la dépanneuse. Ouh là là, mais il y a beaucoup trop de consignes pour moi. Voilà. Donc, c'était la voiture... Oui, c'est ça. Très bien. Donc là, on est sur la notion de à côté. Au fur et à mesure qu'on progresse dans les défis, évidemment, on va travailler sur d'autres notions. Là, on a la notion de en avant de la maison rouge. Et puis ensuite, toujours... dans le stationnement de l'épicerie. Oui. Sur le stationnement de l'épicerie, peut-être parfois il y a des petites... Donc le langage évolue au fur et à mesure des défis. Exactement. Entre les deux voitures de police, au milieu d'eux, à chaque fois, au verso de la carte, il y a la solution, bien évidemment. Donc après, on complexifie un petit peu les consignes. Stationne la voiture noire dans le stationnement de l'épicerie proche du gros arbre. Ah oui, voilà. Alors là, ça devient plus complexe. Stationne la voiture jaune au milieu du stationnement du parc. Oui. Voilà. L'emplacement n'est pas plus compliqué à trouver, mais c'est par contre la consigne qui est plus complexe à analyser. Exactement. Stationne la voiture jaune le plus proche possible de la voiture orange. Donc on est entre le repérage mathématique et en effet le jeu de langage, mais c'est intéressant aussi de faire des jeux interdisciplinaires. Et on peut également placer directement les véhicules sur les emplacements et faire prononcer aux enfants une description qui permette de placer spécifiquement à cet endroit-là, en montrant, quand ça n'est pas le cas, qu'on peut, avec la même description, placer la voiture ailleurs. C'est ça, rédiger les consignes à partir d'un résultat, c'est aussi extrêmement intéressant pour eux. Vous nous avez amené Logic Games, un jeu de labyrinthe. Avec un système de taquin, on va pouvoir déplacer les pièces qu'on va poser sur le plateau pour résoudre des énigmes qui sont adressées à une seule personne, c'est un jeu solo. On va avoir l'énigme et, je suppose, la solution derrière. Tout à fait. On sait celui-là. Voilà. Donc on fabrique avec les consignes qui nous sont données, c'est déjà un exercice en soi. En soi. Et d'ailleurs, je pense qu'avec sur les premiers défis, on peut commencer avant l'âge de indiquer de la boîte. Ça va être vraiment très dépendant de chaque enfant. Il y a des enfants qui sont très doués pour ce genre de jeu et qui, bien avant les 6 ans qui sont indiqués sur la boîte, vont trouver plaisir et vont réussir. Et réussir à se challenger aussi, parce que si c'est trop facile, bah, c'est plus du jeu. Absolument. Avec ce matériel. On a bien aimé qu'il soit gros, le matériel, et bien solide pour les collectivités, forcément. Donc, en fait, on est au parc aquatique. Et on a notre petit baigneur, là, avec sa bouée, qui va descendre... Je le reconnais, c'est Sylvain. Il n'y a pas de chapeau. Tu sais à quel point Sylvain, il aime les parcs aquatiques et il aime ce genre de jeu. Je pense que c'est tout à fait pour lui. Donc, Sylvain est là. Voilà. Donc en bougeant les pièces, on n'a pas le droit de les retourner, on n'a pas le droit de les enlever, de les replacer ailleurs. D'accord, les oui, c'est vraiment attaquant. Comme attaquant. Il va falloir faire le tout moment. Donc on est au niveau 3, on ne s'est pas mis en difficulté. Voilà. Et là, ouais. Et donc, il y a la petite vérification. Oh, bah mince, j'ai perdu Sylvain au milieu. Il y a un bug. Ah non, ça y est, il est reparti. Donc voilà l'idée de ce jeu. Voilà, mais certainement accessible à partir de 5 ans. Oui, beaucoup plus jeune. Ouais. Et avec, évidemment, des énigmes qui vont challenger même la maîtresse, plus on avance, dans le livret. C'était le grand plaisir de mes élèves, c'était d'arriver très bien et de venir me dire « Alors, est-ce que tu y arrives plus vite que moi ?» Et ce qui n'était pas toujours le cas, d'ailleurs.
Alors, sur notre site, on a beaucoup, beaucoup de jeux de logique qui sont utilisés par les enseignants, par exemple, quand, pour faire des temps calmes, quand les enfants finissent leur travail, ils prennent un jeu de logique et vont faire leur défi. Petit à petit, on ne les a pas tous fait encore, mais on a fait des feuilles de route avec, qui regroupent tous les défis. Où l'enfant met son nom. Et il fait des petites croix au fur et à mesure qu'il avance. Donc ça c'est un outil qui est bien pratique et qui est téléchargeable gratuitement sur le site de Didacto. Et ça, c'est une vraie ressource pour la maîtresse parce qu'elle va pouvoir suivre ce qui est fait en autonomie. Et c'est vrai qu'avoir une armoire de petits jeux que les enfants peuvent venir chercher sans demander l'autorisation, sans déranger le cours ou la maîtresse qui est en train d'aider un enfant en difficulté, c'est très appréciable. Ah, je reconnais ce jeu. Notre fils l'avait, ou il avait son prédécesseur dans la même gamme. Il le laissait sur un coin de son bureau et il faisait de temps en temps des petites manipulations. C'était vraiment la décontraction entre deux exercices de devoirs pour la maison. Tout à fait. Alors, il s'agit de IQ 6 Pro de chez Smart Games. Donc, les jeux Smart Games sont fantastiques. C'est un des rares éditeurs pour lesquels on a toute la collection. Mm-hmm. Voilà, on les trouve toujours tous bien. Donc, ça, c'est la version de poche qu'on peut emmener partout, qu'on peut avoir dans le sac pour patienter dans le train, voilà, etc. Et également, en fond de classe, ça prend pas de place, un petit coin dans le placard. Donc, le principe, c'est qu'on a des pièces qui sont accrochées en terre. Voilà, hop. On a trois types de défis. On peut jouer ici sur toute la surface. Donc, le défi nous indique les pièces qu'il faut placer. Mm-hmm. Voilà. On va les mettre et il va rester certaines autres pièces qu'il va falloir réussir à intégrer pour faire un pavage impeccable. Donc, plus on avance dans les défis, moins il y a de pièces au départ et plus c'est compliqué. Sur ce jeu-là, on peut jouer également sur cette place-là. Où on a un joli petit papillon. Un joli papillon avec la même mécanique. Donc là, on est sur du 2D. Et mais... on peut jouer en 3D. Voilà, c'est ça qui est chouette. Et c'est tout l'intérêt parce que c'est une autre réflexion de prendre en compte le volume. Tout à fait. Donc là, tu vois, tu as un triangle au milieu. Et pour le 3D, on va jouer sur ces triangles-là où les défis vont nous dire que mettre au premier niveau, au deuxième, au troisième, etc. Donc au départ, tu as le premier défi, tu as tout. Et puis bah, après, ça se gâte. Eh oui, je me rappelle que c'était le seul niveau que faisait notre fils. Il ne faisait que en volume. Pour lui, c'était le challenge suprême. C'est ça. Mais donc, un petit jeu pas cher, qui prend pas de place et qui est très complet de par le travail à effectuer. Et sur lequel on va pouvoir défier ses parents. Vous avez amené les créatures énigmatiques, qui est un jeu placotte, et je vais en profiter pour vous parler de quelque chose que j'aime bien moi sur les jeux placotte. C'est le curseur d'âge ici, qui nous indique qu'on peut jouer au jeu à partir de 9 ans, mais qui va être intéressant quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, jusqu'à 14 ans, parce que c'est l'âge pour lequel toutes les énigmes vont pouvoir être faites. Donc là, c'est un jeu qui travaille une autre compétence, qui regroupe un petit peu toutes les compétences qu'on a vues précédemment, qui est la résolution de problèmes. Résoudre un problème en mathématiques, voilà, à partir d'un moment, c'est compliqué, il faut mobiliser des compétences différentes pour arriver à son objectif. Donc là, pour motiver un petit peu les élèves, on leur a dit, vous allez résoudre des problèmes, ça va vous donner des points d'agilité, d'intelligence ou de force pour vaincre des créatures terrifiantes de tous les styles. Elles sont terrifiantes, vous ne pouvez pas se mentir. Donc pour celle-là, il faut 3 points de force, 2 points d'intelligence et 1 point d'agilité. Et ces points, évidemment, on les obtient en résolvant des énigmes qui vont du niveau 1 au niveau 4 et qui nous rapportent donc à chaque fois des points, des gratifications. Et les énigmes sont de différents styles. Il y a des énigmes, en effet, comme on l'a vu, de repérage spatial, il y a des énigmes de logique, il y a des énigmes de calcul, il y a tout un tas d'énigmes différentes. On est vraiment face à des énigmes qu'on trouverait dans une escape game pour enfants, avec des différentes, comme tu l'as dit, différentes choses mises en œuvre dans les compétences mathématiques. Et c'est vraiment intéressant qu'on ait ce type d'exercice logique à proposer aux enfants, parce qu'on peut être très bon en mathématiques, mais très bon en mathématiques d'un point de vue mécanique, c'est-à-dire on maîtrise toutes les opérations, on a un calcul mental qui est extrêmement rapide, et pour autant ne pas être très bon en logique, même en compréhension de problèmes. Résoudre un problème, c'est pas seulement savoir calculer, c'est aussi comprendre ce qu'il faut faire. C'est d'ailleurs très intéressant dès la maternelle de proposer aux enfants des problèmes qui ont plusieurs solutions possibles, voire qui n'en ont pas de solution du tout, parce qu'on n'a pas les informations dans l'énoncé pour pouvoir les résoudre. Ici, choisir les bonnes informations dans l'énoncé, ça va être aussi un des enjeux proposés par les cartes. Les mathématiques ne s'appliquent pas à rien du tout, les mathématiques s'appliquent à la vraie vie. Donc à un moment, mobiliser ses connaissances
pour résoudre un problème, c'est ce que les élèves vont devoir faire dans la vraie vie, en fait, au fur et à mesure. Donc on est vraiment sur des jeux qui commencent à les mettre dans des situations... De réflexion, de logique et de compréhension de la consigne. Absolument, absolument. Voilà, donc pour les créatures énigmatiques, le dernier jeu de notre fabuleuse sélection de jeux mathématiques qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc je te remercie Étienne, je remercie Laurence de chez Didacto d'être venue au chalet pour nous présenter tous ces jeux qui permettent de faire un pas de côté dans la compréhension et l'apprentissage des mathématiques. C'est un enjeu majeur de pouvoir comprendre avant de calculer, et par ces jeux on en a une occasion rêvée, ludique et bien plus facile que lors d'un exercice sec qui serait fait en classe sur une feuille. Merci à tous, merci de cette invitation. Ah bah avec plaisir. Ciao.